Salut, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma moto, ma nouvelle moto. Donc c'est une 350 Husqvarna, FE de 2015. Voilà, donc c'est une super moto, une super bécane, ça marche très fort. Ça fait 80, même pas 100 kg je crois, pour même pas 47 chevaux. Donc voilà, pour un A2 c'est parfait, comme je viens d'avoir mon permis A2, donc c'est parfait. Donc elle a eu un kit déco dessus, comme vous pouvez voir, un petit kit déco Red Bull. Je l'ai acheté comme ça, c'est une bécane que j'ai acheté d'occasion, donc le kit déco il était comme ça. Au niveau de la ligne, on a une ligne Titana Krapovic. Donc ça c'est une ligne d'origine catalogue Husqvarna en 2015 du coup, donc c'est pour ça qu'on retrouve plus beaucoup des lignes comme ça. Donc au niveau du pot d'échappement, c'est l'origine parce que l'ancien propriétaire a niqué l'autre. Bon après, ben, on est WP à l'avant. Bon, il y a un peu de travail à faire sur la moto, comme pouvoir aller un peu abîmer. J'ai des trucs à changer et je pense qu'après je referai une vidéo quand tout sera changé. Je pense changer aussi la cartouche. Après au niveau des jantes, on a du Alpina, de la super jante, hein, le meilleur de chez Alpina, je crois. Je ne connais pas trop en jantes. Voilà, et puis en pneu, on a du Michelin à l'arrière et à l'avant, on a un gros slick parce que c'est une jante en 16-5 et il n'y a pas de pneu homologué. Et donc, faut que je change la jante. Voilà, ben après une selle Husqvarna, le catalogue aussi, finition. Et après, ben voilà, après on a des petites pièces à analyser au niveau du moteur. C'est une moto qui a quand même un peu roulé quand même. Ben, au prix où je l'ai payé 6000 euros. Donc bon, c'est correct pour un super mode. Bon après moi, il faut savoir que je suis à l'île de la Réunion, donc c'est un peu plus cher au niveau des prix. Elle a 215 heures, 6000 km. Et le piston a été changé il y a 60 heures, donc ça va. Donc le moteur est en bonne santé, ça démarre, elle démarre au quart tour. Je sais pas si je peux vous faire écouter le bruit. Bon bah maintenant je vous retrouve pour laisser sur la route, on va faire des petits essais route et puis on va voir comment ça se passe. Il y en a les GoPro donc ça va être nickel. Thank you.
Là c'était pas mal, attends, je vais en refaire un autre. Bah voilà, on a terminé la vidéo. Bah j'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous avez quoi d'autre comme question à me poser dans les commentaires, n'hésitez pas, je réponds. Vous avez mon Insta qui va s'afficher, matisse.bnr. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, pourquoi d'autre. Et j'espère que je vous ferai d'autres vidéos quand j'aurai changé un peu quelques pièces sur la bécane. Quoi que ce soit, je répondrai à tous les commentaires. Et n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos. Bah voilà, c'était tout, merci la team. Super mode.